Devant nous, ce vieux bâtiment est en réalité l'ancien château. Ce château a été reconstruit par Paulin de Barral au XVIIIe siècle, sur les ruines d'une ancienne maison. Paulin de Barral est un descendant de la famille de Barral. Les deux Barral ont été les seigneurs d'Alvar pendant plusieurs générations. Ils ont aussi, pendant plus d'un siècle, dirigé les forges d'Alvar. Paulin de Barral, lui, était un personnage assez scandaleux qui a eu de nombreuses femmes. Il finira par vendre les forges d'Alvar et le château en 1817 à Monsieur Champel. À l'origine, autour du château, il y avait un grand parc. On peut voir sur cette gravure que c'était un très beau parc avec des jardins à la française et de grands arbres. Mais, avec l'évolution de la ville qui s'est agrandie, il fallait pouvoir traverser plus rapidement et plus facilement la ville. Donc, on a supprimé une partie du parc pour construire une route. Ainsi, ce qui est aujourd'hui le parc Barral appartenait autrefois au parc du château. La maison des forges a été construite dans le parc pour héberger les bureaux administratifs des forges d'Alvar. Dans le château, quand il a été vendu, il y avait de très nombreux tableaux, des objets de valeur et aussi quelques beaux meubles, dont certains avaient été réalisés par la célèbre famille d'ébénistes, les H. Aujourd'hui, le château a été transformé en appartement et il ne reste plus grand-chose du parc, sauf quelques très beaux arbres. Même la passerelle qui permettait de traverser le Bréda, qui s'est écroulée il y a quelques années, n'a pas été reconstruite.